Bonjour YouTube. Ce soir, c'est soirée chill de l'espace. On va mettre le son fort et on est parti pour une découverte d'Alien Isolation que je n'ai jamais fait. Jamais joué à ce jeu, mais ça manque à ma culture vidéoludique parce que il paraît que c'est un très 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 bon jeu réalisé par Creative Assembly. Développé par Creative Assembly. Un vrai jeu de flip alien. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir de quoi il en retourne. Le gameplay est assez... c'est un jeu de survie dans l'espace où on est poursuivi par des aliens. Enfin bref, le principe est compréhensible en 30 secondes. Donc on va se lancer tout de suite. Merci à Daltarion pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci Zildur pour les 3 mois. Merci beaucoup. Bon. Appuyez sur n'importe quelle touche. Je vais mettre le son fort, hein, parce que là, le but... Bah, j'ai appuyé sur n'importe quelle touche. Voilà. Ouh là là ! Ma souris est... Ah voilà, là, c'est bon. On va rien bouger, hein. Merci d'avoir rejoint... Mode... Il y a plusieurs modes de jeu ? Jouer au mode survie avant de terminer la campagne principale peut gâcher l'expérience de celle-ci. Continuez quand même ? Non. Qu'est-ce qu'on... Ça, expert cauchemar, ça me paraît... Intermédiaire, c'est bien, non? On a beaucoup qui disent normal. Intermédiaire, allez. Qu'est-ce qui se passe? Merci Jarad pour les 10 mois. Alien, c'est pas le mec qui fait passer un buveur de sang pour un caniche. Ce nom reste. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Oh, ça me donne envie de me les remater. Ça donne une folle envie de les revoir. Ripley ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Merci Frixos. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris
Pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu? Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Eh ben sérieux, ils ont un vrai sens de la mise en scène. Hein. Allô? D'accord. Merci d'avoir rejoint l'Omnif. Ok, on se réveille. Merci Centurion Man pour les 8 mois. Dire que c'est Creative Assembly qui a fait ce jeu, c'est ouf quand même. Objectif, habillez-vous. Je suis très bien en culotte. L'ambiance est tellement stylée. Petite musique. D'accord. Pour l'instant, tout va bien. Ah, c'est la douche. Ah ben d'accord. Quitte à se faire boulotter le cul par un alien, autant être propre. Ok. S'habiller. Très bien. Voilà. Ah oui, d'accord, je peux juste éteindre et rallumer, ok. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression, vous serez averti si des ennemis sont proches. Oh le... oh le Windows 95. Terrible. Ah, retour. Ok. C'est le futur, c'est ça. Bon, jusqu'ici, tout a l'air normal. Donc moi, je viens de me réveiller de mon caisson de sommeil. Et puis quoi? Par contre, on peut pas... C'est quoi cette touche? On peut pas courir? Ah, Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. Un robot? C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Ah oui, donc là, on est dans le vaisseau qui rejoint le Nostromo, donc... Donc dans ce vaisseau-là, tout va bien, quoi. En clair. Y a pas une carte? Ah bah là, voilà. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages.
La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manque. Alors attendez. Je vais essayer d'activer les sous-titres, effectivement. Ce sera plus simple pour vous. Mais je sais pas où on fait ça. Champ de vision, taille, couleur, résolution, synchro, niveau de détail, résolution, qualité des ombres. Particules, flou, profondeur de champ, aberration chromatique, reflet, c'est ça, au filtrage, nanana, d'accord. Ah, voilà. Qu'un peu de tact. Voilà. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Plus personnel sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. L'ambiance est folle. L'ambiance rentre trop bien, quoi. Tu sens cette tension qui est tellement palpable. Bonjour. Pourquoi il y a des bruits? Pourquoi il y a des bruits? Vous avez des bruits? Vous entendez? J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Merci. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Il est où l'autre? Ah d'accord, il est là. Ça rend trop bien, ils ont trop bien fait le... Le vaisseau, c'est juste trop bien. Oh là là là, cette flip. Ça doit être tellement flippant, l'espace infini. Et on parle pas d'être en orbite autour de la Terre, hein, où on a toujours ce point de repère de regarder la Terre, mais être dans l'espace, dans l'immensité de l'espace, et regarder par un hublot et voir à perte de vue, enfin, des trucs qui sont tellement loin que tu sais même pas comment on peut les atteindre. Ça doit tellement être un sentiment... Tu deviens fou, en fait. Tu deviens complètement fou. Je change pas de sujet. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez sur les écrans, elle a dit. Quel écran? Y a pas un truc qui dit vous devez... Allô? Ah, tab, c'est le... D'accord. Et y a l'objectif? Ah, ramassez votre briefing. D'accord. La surbrillance. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ici Wayne, marshal de la colonie.
Marshall? Marshall, ici le Torrens. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. C'est un vrai film, en fait. C'est super bien. La mise en scène est top. La musique a l'air excellente. La mise en, dans l'ambiance et tout sont géniales. C'est vraiment un film, en fait. C'est trop bien. Merci Serge Kamazarov. Et merci Kern. Merci à tous les deux. Prenez-vous chips, coca, bière. Mettez-vous bien, là. On va passer une bonne petite soirée. Ah. Alors, ça y est, je contrôle. C'est parti. Ok, c'est bon, j'ai viré ma combinaison, du coup, trouver de l'aide. Porte s'ouvre si je vais contre ? Non. Ah, c'est de la sourde. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder. Les bandes d'enregistrement, donc celle-là ? Ah ouais. Ok. Je suis revenu sur mes pas là. Non. Sas d'urgence.
C'est là. Ah oui, mais c'est de là que je viens. Ok. Non, mais on fait le tour, on visite. Elle a dit oh. Ah. Oh. Bah c'est quand même. Non. Oui. Ah. Super, des conduits d'aération de l'espace. Ça c'est une super idée ça. Je suis sûr que ça c'est très réaliste. Des ingénieurs ont certainement fait ça. On va plonger des êtres humains qui sont potentiellement sensibles à des coups de stress extrêmement intenses, qui vont être plongés dans l'espace dans une boîte de conserve dépressurisée pendant des dizaines d'années, donc dans des relations particulièrement flippantes évidemment, si on leur mettait des lumières rouges. Super. Je rampe là, on est d'accord. Comment je me relève? Ou alors elle marche là? Touche C normalement. Ah oui, merci. À l'équipe d'ingénieurs. Pourquoi des lumières rouges? Démantèlement. Bon, les enfants, vous avez déjà sûrement entendu les bruits qui courent au sujet de Sébastopol, et je peux vous confirmer que c'est officiel. Sébastopol est mise hors service. J'entrerai plus en détail avec chacun de vous en ce qui concerne vos contrats et affectations. Mais en attendant, on a encore un travail à faire. Les hauts placés veulent que ce soit fait avec une équipe minimale, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques contractuels extérieurs pour aider. Et aussi qu'il y aura des heures sup. Je vous conseille de prendre tout ce que vous pouvez tant que c'est disponible. Je tiens à préciser que démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici, tout doit être compté. Et j'escorterai personnellement au Marshal Waits toute personne trouvée en train de se servir dans l'équipement. D'accord, c'est signé Chief. Attends, quoi ? Ok. De l'éthanol, bah super, comme ça si je flippe trop je me bourre la gueule. Utilisez mouse. Oui. R pour activer. Donc c'est C pour s'accroupir. Clic droit, viser, R pour lancer. Ah, clic gauche. D'accord.
je peux le récupérer? Non. Ah non? Vous êtes très fort pour la mise en ambiance, Kat, il va sembler, c'est bon. Summon the Elector Counts. Pistolet seringue, c'est du soin ça. Merci Timothe. Merci pour le sub. J'ai loupé un truc ? Il y a un gros point d'exclamation là. Attends, c'est ici ? Non, non, laisse la musique. Ok, faut vraiment faire gaffe, il y a des trucs à ramasser, mais c'est pas... ils sautent pas aux yeux, quoi. Eh oh, y a quelqu'un. Allô ? Utiliser ces terminaux pour mettre la carte à jour, d'accord. Ça là ? Fermez la porte, s'il vous plaît. Vite, sauvegarde. C'est quoi le terminal? C'est celui-là alors? L'anglie. Si tu cherches notre stock, je l'ai bougé. Tu l'avais laissé en plein milieu. Tu l'avais laissé en plein milieu où n'importe qui aurait pu le prendre, bordel. Tu sais que j'ai dû me farcir. Tu sais tout ce que j'ai dû me farcir pour l'avoir. Je l'ai planqué dans un des cagibis. Tu devrais pouvoir le trououver. Mon code, c'est 0340. T'en fais pas, plus personne ne descend au terminal maintenant. Pas après ce qui s'est passé. Autre chose, on a plus de médoc et on est presque à court d'eau. Donc il va falloir que tu en ramènes. Ah, c'est ton tour, ça t'apprendra peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir. Anna, oui, c'est une voix de femme. Utilitaire, rétablir le courant des départs. Avis à la population, le démantèlement de la station. Ouais, ça c'est... Harris? Turner? Revenez ici immédiatement, on a une piste. Quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'il soit en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Ah, c'est Waits. Le fameux Waits. Donc là, ça a chargé ma carte. C'est bon là ? Donc là c'est bon. Ça a chargé ma carte alors ? C'est bon ? Parce que là je vois tout ça.
C'est de l'audio, tu peux le lancer, ça va lire tout seul. Ah ouais? Alors attends, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Chercher de l'aide dans le terminal des vols spatiaux. Continue d'avancer dans le terminal à la recherche d'aide. Et tout ça, c'est la zone par laquelle je suis passé. Il y a un truc là. Et là, j'arrive où? Ok. Non, c'est pas ici que je suis arrivé. Non, non, c'est pas utilisable. Donc de l'autre côté, j'imagine. Non, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais... Ah ouais. Venez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Wait, terminé. Ah voilà, se connecter. Ok d'accord, je devais faire ça, je devais appuyer sur E. Merci d'avoir rejoint. Attendez. Merci Asmodan pour les 9 mois. Ma tentacule anal et moi te remercions pour tout. PS, t'as pas dû voir mais il y a des nouveaux trailers Warhammer. Merci beaucoup pour la précision. Bah. Ils ont fermé derrière eux les salauds. Ah, y a un truc là-bas. Pack de recharge amorce agent collant. Non, la carte s'est pas mise à jour de nouveau. Bienvenue à la station Sébastopol, votre foyer loin de chez vous. Produit d'une décennie de travaux, la station fut construite en vue de devenir la première passerelle de commerce et de ressources de ce cadre. Okay. Tous étaient transformés en apéricube. Voilà ce qui s'est passé. J'ai laissé un truc derrière ? Attends. J'ai oublié quelque chose ? Juste là. Ah ouais. Medkit. Merci Prestelarm pour les 1400 bits. Merci beaucoup. Oui, bordel. Ben voilà. Oulala. Le Torrens. Mais le bordel, qu'est-ce qu'il fout? Je suis là. Je
contacter le Torrens. Ici. Mais non mais, oh putain, mais fermez pas les volets. Quoi? Mais super. Ah ça y est, il y a des bruits. Non 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 non. Oh putain. Non, ah. Je rigole pas. Si c'est quelqu'un qui me fait une blague, je suis pas d'accord. Combien de temps ça dure ce fumigène? Bien visible là. Oh bah alors c'est des fumigènes pour faire une petite lumière rouge supplémentaire comme ça dans le décor. Quelle excellente idée. Bon. Ah, je peux pas aller par là apparemment. Hein ? Rétablir le courant. Ok. L'ambiance sonore est incroyable, hein, ouais. À fond. L'ambiance générale est vraiment excellente. Hein. Oh, des bandes d'arcade. Oh là là, les sons de partout. Ah. C'est quoi, c'est un jeu existant? A tous les coups, c'est un jeu Sega. Run Around Rex. Run Around. C'est un jeu Sega à tous les coups, ça. Un vieux jeu Sega. D'accord. Un petit jump scare? Tu te refermes pas toi. Ok, c'est pas Subnautica mais je suis tendu. Je suis tendu quand même. Merci Delvido. Merci pour le sub. Ok, Zoé, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aile depuis quelques temps déjà. Nanana. Et puis, il n'y a pas que nous, on dirait que la station tout entière est dans le rouge et qu'ils arrêtent tout. Ouais, d'accord. Apparemment, c'était une entreprise en pleine... en plein tourment. T'es prêt de s'arrêter? Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshall Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux... Imaginez que dans le futur, les iPods, ce sera ça. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ok, ça a été un beau bordel du coup, si je comprends bien ici. On est d'accord qu'ici... J'ai rien d'autre de spécial à faire. Hein. N'a pas l'air. Est-ce qu'il y a un coin où je suis pas encore vraiment allé? Ici je suis venu voir mais... Non, c'était juste pour établir le courant.
Contactez le Torrens. Allez voir par là alors, hein. Par là, j'imagine que on se faufile. Quoi ? J'ai vu un truc en surbrillance ? Non. Quoi ? Merci beaucoup. Arganou, le boss x20. Merci beaucoup pour les 5000 bits. Merci beaucoup. Allez, d'accord, on va monter un poil le son des alertes. Je sais ce que vous essayez de faire. Mais merci beaucoup pour les 5000 bits, en tout cas. Il y a une trappe dans le bar que j'ai pas vue. Conduit du plaisir, allez. Ça a un peu l'air fermé. Ah non. Merci Krillest pour les 500 bits, mais. Attention. L'ambiance est vraiment folle, ça donne vraiment l'impression d'être dans un film alien en fait. Et le fait que quand je marche, quand je déplace mon personnage, il marche vraiment très lentement, ça rajoute encore plus au côté immersion et... On n'est pas en train de courir comme un lapin partout comme dans tous les jeux. C'est vraiment très cool. Je peux pas passer par là ? Ah ouais, d'accord. Oh, puis le boulot sur les sons. Quoi ? Là, j'ai peut-être mis un peu fort. Merci Braze Mad pour les 5000 bits. C'est normal que j'ai peur. Mais... Merci beaucoup pour les 5000 bits, mais... Et d'accord. Je joue le jeu, d'accord. Et ça a même pas encore vraiment commencé. Oh.
6 brace-bats pour les 500 bits de plus, mais non. Quel enfer! Mais pire idée. J'aurais dû faire un... des vraies nouvelles alertes. Ah, j'étais accroupi. Ah bah oui, je venais de m'accroupir. Allez. Où est-ce que je dois aller? Allô? Ah bah d'accord. Ah bah la bonne ambiance. Ça doit sûrement être la sortie. Eh oui. C'est ça. Outil de maintenance requis. Merci Chiron pour le Prime. Et merci The Chauve pour les sorbites. Shut up, Demon! Je le sais en plus, ce bordel, l'alerte qui tarde! Ok, à établir le courant. Ça doit être là. Gloire à l'omnifion. Celle-là, par contre, ça va. En termes de jumpscare, on est bon. Hein. Merci beaucoup, Kinobu, pour les 1000 bits. Celle-là, ça va. C'était un chat? On aurait dit un chat. Les aliens, ça fait pas des bruits de chat. Summon the Elector Counts. Merci mec random pour les 3 mois. Attendez, je suis où là? D'accord. J'aime bien comme le jeu commence à nous balancer des petits, l'espèce de cri d'alien, mais vraiment très loin. Genre on commence à annoncer à ton personnage, t'as vu ça, c'est pas normal. Ok. Bon, je vais retourner au truc maintenant que le courant est fait. Ah oui, mais non, mais je devais trouver un pack de des outils ou je sais plus quoi. Summon the Elector Counts. Merci Zarkane pour les 5 mois. C'est prévu un let's play dessus. C'était prévu, oui. C'était prévu pour aujourd'hui, quoi. Let's play complet, tu veux dire. Il y a une croix, j'imagine que je ne peux pas y aller, mais il y a peut-être des outils quand même. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Rouklund. Merci pour les 14 mois. J'en ai le pépu qui frétille. Non, ok. T'as bien encore des bonnes ambiances. Non, à mon avis, faut que je revienne au truc. Et merci Brisbane pour les 100 bits. Ok. Les trucs à ramasser se voient pas hyper fort, hein, par contre. Ah, the blood runs cold. Merci Bactarus pour les 500 bits. Je
Turner. J'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça m'a pris un peu de temps, mais il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se parler d'ici. Putain, mec. J'entends des bruits de partout. Le moindre craquement. Enfin, mâle-toi le cul, tu veux. Donc ça, on est d'accord, outil de maintenance. C'est là-bas que j'ai rétabli le courant. Ah ouais, non, c'est de la musique. Un truc que j'aurais loupé. Donc là, idem, outil de maintenance. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre ? Non. Débloqué. Torche à plasma. Ok, donc y a rien ici. Donc là... Ok, toute cette partie-là, il n'y a rien. Il y a un point d'exclamation là. Oui, mais c'est la porte. Ah, merci Bryce Bat pour les 500. Ok, donc tout ça c'est bon, j'ai vérifié, il n'y a rien. D'accord, donc on retourne voir dans la partie centrale. Pour l'instant, tout va bien. À part que je suis mid-life quand même. À cause de ce câble électrique qui pendait. Bah, si j'ai rétabli le courant, peut-être que... C'est terminal là ? Non. Keep moving. Oui. Summon the Elector Counts. Merci Juronius pour les 7 mois. Bonne chance dans l'espace. Merci. Je vais pas passer par là. Ah si. Ouais, la map, c'est pas super clair. Bah, il faut fouiller. Hein. Ah, peut-être des tapis roulants. Je peux pas sauter non plus. Y a pas de truc en haut, hein. Pas l'air d'avoir de trappe non plus au sol. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Angorfist pour le sub offert. Vous y voyez correctement, vous, au niveau luminosité? Face à vous, vous voyez quelque chose? J'ai pas pensé à demander, mais c'est vrai que sur Twitch, parfois, ça paraît plus sombre que sur mon écran. Du coup, c'est normal, ok, d'accord, ça va, vous y voyez quoi. C'est sombre mais ça va, d'accord. Bon, l'ambiance est très sombre, hein, mais des fois, comme ça diminue un peu sur Twitch ou sur YouTube, c'est vrai qu'il faut booster un peu la luminosité parfois. La compression Twitch ne doit pas aider au rendu des noirs, je pense. Non, effectivement.
Attends, what? Trouver un moyen d'ouvrir le verrou de sécurité. Et ça s'ouvre pas? Non. Bon, on va retourner voir de l'autre côté alors. Ouais, là il fait quand même giga sombre. Hein. Mon doigt, il a cliqué! Merci Romain pour les 5 subs. Summon the Elector Counts! Et merci Alexor, merci pour les 9 mois. Non, rien de nouveau. Pas du tout si je suis censé revenir sur mes pas ou pas. Là, je suis où là? Ah d'accord, on voit pas le reste. Ah, je peux charger les sauvegardes avec ça, j'imagine. Merci Brazemat pour les 200 bits. Non mais c'est pas possible, j'ai dû louper un truc. Jusque-là, c'était relativement clair, mais là, il y a un truc que j'ai dû louper, c'est pas possible. Et ça, pourquoi contrôle, ça fait ça? Je comprends pas ce que ça fait. J'appuie sur contrôle, ça fait juste, ça se fait baisser la caméra et ça me fait m'arrêter. Je sais pas pourquoi. Donc là je peux pas... Non je peux pas passer. Ok, là c'était pour établir le courant. Non, très bien. Non, ça doit être de l'autre côté, c'est pas possible. Là je suis revenu trop en arrière. Il y aurait déjà eu quelque chose, je crois. Observe bien s'il n'y a pas des trucs qui traînent par terre. Non. Donc c'est trouver ce fameux kit de réparation. Globalement, des lumières. Des lumières vertes indiquent souvent des trucs, faut les suivre. Merci Babybel pour les 500 bits. Donc, ici, il doit y avoir un truc. Retrait des bagages. Pourquoi c'est indiqué ça? Attends.
dernier. C'est là. Merci Ninobu pour les 500 bits. D'accord, mais il n'y a rien en fait. Putain, mon doigt, il a cliqué! Merci Artwine pour les 5 subs offerts. Ah, y'a des. Ah putain, y'a un étage! Et oui, bêtement. Là, mais il pourrait. Oh, il pourrait l'indiquer sur la carte! Sérieusement. Summon the Elector Counts. Merci Soyuzik pour les 9 mois, merci Niggles pour le Prime. Bienvenue, merci Kinobu pour les 100 bits. Bon, très bien. Summon the Elector Counts. Ça fait... Contrôle, ça sert là. Ah ouais? Non, avancer en fait. Je peux juste me pencher ou quoi? Non, d'accord. Ok. Mais qu'est-ce que ça me donne envie de revoir les vieux films aliens? Y'a pas de système de communication ici? Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Avec le truc de maintenance. Et donc, où ça? Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de... Bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Donc là, il y a la porte. Je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Coffre des pièces à conviction. Pas l'air d'avoir grand chose ici. Aller un peu plus loin. Oui, oui, je suis concentré là. Évidemment, je suis concentré, vous faisiez quoi à ma place? Oh. Merde. Comment ça? Oh merde, on a déjà vu au moins une dizaine de cadavres! Mais celui-là, il est pas mort de mort naturelle. C'est vrai que tous les autres ont peut-être chopé une énorme chiasse et il y avait plus d'eau. Ils se sont desséchés. C'est vrai. Mais donc c'est lui qui doit avoir ce foutu kit. Ok, ça va me mener avec. Merci Grilles pour les 500 bits. Identité, outil de maintenance. Summon the Elector Counts. Merci Sobelette pour les 3 mois. Ok, c'est bon. Et la lampe, non? Je peux pas la prendre? Oui. Ne me dites pas quand je bouge ce genre de truc. Shut up, demon! Ça fait du bruit et du coup ça les attirera, tiens. Merci Corvobax pour les... pour l'année. Est-ce qu'il serait possible de me fournir un nouveau caleçon? J'ai trempé l'autre. On va voir ce qu'on peut faire. Des caleçons imprimés. Quoi? Merci Pearl Harbor pour les 5000 bits. Je vérifie l'étanchéité de ton caleçon.
Un cul. Étanchéité. Ok, jusqu'à maintenant. L'ambiance est pesante, mais ça va. Ça me flique quand même toujours moins que les profondeurs de Subnautica. Merci Arcanou, boss Quava. Bon, allez, ça sent. C'est long quand même de faire ça. Faut pas avoir une bestiole aux fesses. Hein? Je peux me mettre en position fétale au besoin en dessous. Jeu de l'entretien, Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist? Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus. Impossible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non ? Dur à cuire, c'est ça. Turner, arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Rien d'autre. Ok. Maintenant, tourne-toi. Allez ! Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley ? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal, ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais ? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi ? Un tueur ! Tu comprends ? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui ? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Là, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de droite. Et fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Super. C'est noté. J'ai pas envie de m'éterniser ici. Merci à notre Chan. Pour les 500 bits. Petite astuce pour le slip en titane, rajouter par-dessus une couche en bitrile. Merci Misty Gris pour les 100 bits aussi. C'était toi qui me suivais là? Fallait bien que je garde mes distances, on n'est jamais trop prudent ici.
Oui, allez, je baisse un peu le volume, désolé. Ouvert, ça. T'es du genre curieuse, c'est ça? Mais non. Reste à côté de moi. Quoi? Mais... Hé! Pas un geste! Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ah, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Ça va, il y en a quand même relativement souvent des trucs pour sauvegarder. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci Brichou pour les 3 mois. Merci Oart pour les 8 mois. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Oui, j'ai bien fait Fanta. Sérieux machin, pour un doigté spécial. Merci Aranti pour les 19 mois. Alors, la météo du Bitcoin, qu'est-ce que ça dit? Summon the elect accounts. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite! Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retourne sur le vaisseau, on va se détendre, se faire une tresse dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans! Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Et il passe devant, hein. Merci Stelio Concos, merci beaucoup pour les 500 bits. Voilà des bits bien mérités, sache que tu as une voix assez apaisante, il n'y a que quand je regarde tes VOD que j'arrive à endormir ma fille quand je lui donne le biberon. Avec plaisir. Je ne peux pas garantir de comment elle va finir par contre. Maintenez contrôle et déplacez les touches. Merde, faut qu'on décampe. Ah, ça me permet de me pencher. Des conneries ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Il y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. On va s'en sortir, promis. C'est bon, là. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Je suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. Ils aiment pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont prêtes pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sains. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances.
Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. L'agent Collant, je sais pas ce qu'on va faire avec ça, mais... Je me tais ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être tout que j'attendais. Pile de lampe torche, ok. Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Donc, lampe torche. Allez, t'attends quoi là ? Ramasse la lampe torche. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Maintenez F pour recharger la lampe torche. C'est fait. Changer la pile. Je sais pas comment on... Bon là il est par contre. Encore des piles. Et maintenant ? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Le conduit là ? Axel, c'est ça ? Attends-moi, j'arrive. Il est où ? Je savais bien qu'il était par ici. Tu vois ? Je gère, Fougère. Non, non, c'est illégal ça. C'est illégal ! C'est même interdit sur Twitch, je crois que je gère Fougère, c'est marqué dans le règlement de Twitch qu'on ne peut pas. C'est interdit. Allez, avance, espèce de couillon. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Le mec, il me bloque le passage et il est là. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Hein. Moi, t'avances pas. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez. Merci, vous allez se battre pour les 500 bits. C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent. La puissance du. Du quoi ? Du Zornia ? C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça ? Chut ! J'ai entendu un truc. Son caleçon est toujours propre, hein ? Ouais, je comprends. Ça sera fait. Faut qu'on rejoigne les autres. Y'a un truc qui merde. Y'a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en retard. Allez, quelqu'un va envoyer de l'aide d'ici. Shut up, demon. Suis-moi. Merci Henry Miller pour les 6 mois. Attends. Il est parti par là ? Et attends-moi. Je sens que les deux cocos avec les flingues, ils vont se faire buter devant nous. Ok, faut qu'on la mette en sourdine ici. Et n'allume pas cette torche. Ok, celle-là ? Le casse-couille de service. Attends. C'est quoi l'urgence ? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. J'arrive pas à t'imaginer que je l'entends derrière les murs. Ils sont armés. Il est beaucoup trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque ? On est obligé de passer par là. Pour atteindre la porte. Comment ? Pour faire diversion. Le générateur. S'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier ? Moi ? Pourquoi ? Tu te serais pas un peu servi, non ? Je peux savoir ce que t'insinues exactement ? Hé, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé. J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss ? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors ? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui ? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks ? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes, et je sais pas si t'en es capable.
réacteur à la chute. C'est un Non, il y a quelqu'un dans le barrage. Faut aller vérifier. Tout le monde avec moi. Summon the Elector Counts. Et où l'autre? Bien joué, Ripley. Ouais. Tout fonctionne. Comment merci Sneaky Gecko pour les 7 mois. Shut up, demon. Merci Jean-Fond de la Miche pour les 6 mois. Merci beaucoup. Nous embrassons ma cousine et moi. Merci. Ok. Petite sauvegarde. Non, chef. C'est encore loin. On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein? Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. On commence à manquer de munitions. Zoé a réussi à faucher des médicaments sous... prescription, tous adressés à la même personne, il ne devrait sûrement plus en avoir besoin. Et qu'est-ce qu'il était mis? De l'eau, du dentifrice, des cigarettes, nanana. Interdiction de prendre quoi que ce soit, ok. J'ai réussi à mettre la main sur le truc, sur ce truc dont je parlais. Ça se lit pas ça, non. Le chef remarquera jamais rien, il y a toujours plein de trucs qui disparaissent quand une station ferme pour de bon. Vous en faites pas pour les doigts non plus, Sinclair a dit à ses hommes de fermer les yeux. De toute façon, ils sont sûrement trop occupés à faire les guignols ou à accepter des pots de vin pour capter. On a que ce qu'on peut s'offrir, je suppose. Elle a plus de jeu. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. De l'autre côté du câble. Je suppose que c'est ce câble rouge que je dois suivre. C'est ça. À 3. 1, 2, 3. Ah pardon. Fantin. Enculé. Ramenez-vous. J'ai chopé cet enfoiré de voleur. T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Ah, je peux courir avec majuscule, ok. La diplomatie. Mais enfin. Merde. On dégage. C'est pas de ce qu'on a d'une minute à l'autre. Faut qu'on se casse maintenant. Hé, bande de bâtards. Bouge. Tuez-les. Merde. Je crois qu'il est mort. Allez. Oh là là. T'as buté ce type? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? Chut. J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. C'était quoi ce truc?
Merci Babybel pour les 300 bits. Oh, faut pas que je m'arrête. Mais oui, non, d'accord. Oh putain. Oh putain. Oh ça y est. Cette station dessert Sixon Communication Technology, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Le système de transit de Sébastopol est en fonctionnement optimal aujourd'hui. Utilisez le reroutage pour activer et désactiver des systèmes à votre proximité. Les systèmes partagent une alimentation d'électricité limitée. Les éteindre fournit l'électricité pour en allumer d'autres. Consultez la carte à droite de l'écran avec la souris pour localiser la position de systèmes locaux. Accédez à de nouvelles zones, créez des diversions ou trafiquez les systèmes de Sébastopol pour vous aider à remplir votre objectif. Alors, changer de salle, tab. Sélectionnez le système, touche de déplacement. Activer, désactiver énergie. Summon the Elector Counts. Merci Scootix. Bienvenue. Attends. Pour l'instant, il n'y a que... Ah ouais, énergie active. Bagages ou votre équipement sans surveillance. Système de haut-parleur, système instable. Mais tab, je vois rien qui change par contre. Ça fait un bruit, mais il n'y a rien qui change. Changer de salle. Il ne dit que gare de transit. Et donc, si je fais système haut-parleur. Ça active le haut-parleur là-bas. Et système instable. Ça a l'air d'être ici. Et je suis censé faire quoi là? Axel a dit que la tour système Spire renfermant Sixon Communication. Trouver un moyen de l'atteindre. Donc là, c'est le fameux transit.
Ah là, il y en a un aussi. Un casier où on peut se cacher. Il y a l'air d'avoir du bruit par là. Quoi ? Syntoniseur d'accès ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette merde ? Ok, tout ça, je suppose que ça ne s'ouvre pas. C'est pour syntoniser le tissu de l'univers. Ça doit être ça, ouais. Bon, là, je reviens sur mes pas, mais j'ouvre une... une nouvelle voie. Ok. Petite sauvegarde, je me disais justement, ce serait bien d'en retrouver une. Ok. De ce côté-là, je suis pas allé, hein. Rien de spécial là, d'accord. Le jeu en quelle difficulté? Je suis en intermédiaire là, je suis en normal. Ne connaissant pas du tout le jeu. Il y a des bruits. Oui, une belle invitation. Ah, de l'agent collant. C'est moi qui vais coller dans 30 secondes, tu vas voir ça. Oh l'enfer. Mais ça servait à rien. C'est pour pouvoir fuir. Il y a quelqu'un. What the hell? Les gars, par ici. Y a non, 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 non. Les aliens, mon cul. Ils insistent pas. Prendre l'ascenseur vers Sexton Communication. Ok. Elle est où? Elle est où la grognasse? Elle s'est barrée. Bah apparemment. Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Ok. Est-ce qu'il me donne un objectif? Là. D'accord, faut descendre et puis à gauche.
Oups. Propose qu'on la trouve et qu'on la bute. Ok. Par là. Vous avez entendu ça? Du mouvement. Merde, merde. Où ils étaient. Ok. Oh non. Ah, ça me remet loin. Attends. Ouais, je devais continuer et puis sur la gauche. Cette petite musique. Ah. Mais debout, mais connasse. Mais debout. Les gars, par ici, il y a quelqu'un. Allez. C'est bon. Oh, j'ai pris si cher. Clic gauche pour fabriquer. Ah. Mélange B, agent collant, pistolet seringue, détecteur amorce, éthanol. Ah d'accord, il me faut 3 éthanol, 3 packs de recharge, 3 amorces, 3 détecteurs. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut? Entrée, engager élément. D'accord. Non. R pour activer. Ah yes. Ok. C'est bon. Donc là, elle a dû bouger l'autre. Si c'est comme tout à l'heure. Donc en fait, c'était obligatoire. Il fallait avancer jusqu'à elle. Elle pétait les plombs, elle nous tirait dessus. Et puis après, on peut revenir comme elle a bougé. D'accord. Le jeu est conçu comme ça. Très bien, j'ai compris. Alors, je vais rechercher le truc. Un syntoniseur d'accès. On peut pas passer. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Mais là, du coup, faut que j'attende qu'il passe. Par là. Je suis sûr qu'elle est en bas. Oh là là. T'as vu quelque chose? Nyeh. Oh, ça passe. Ah, comme ça. Mais d'accord, mais facile. C'est bon. Donc, je retourne là-bas.
voulais juste revenir save. Donc là maintenant c'est en face hein. Donc ça, ça s'ouvre pas. Ça non plus. Et ça, ça revient là ? Attends, comment je passe ça alors ? Quoi ? Ah. Mais comment je fais ? Je peux pas sauter. Non, c'est par là, c'est pas possible. Ah ! Il y a pas une échelle là-dedans ? Ah mais si, il y a une échelle là. Ouh là là, mais je peux pas l'atteindre. Donc ce conduit-là me mène juste là en fait. Bon. Donc en fait, je suppose que je dois pouvoir sortir de la salle par là. Et attends, qu'est-ce qu'il était mis ? Salle d'attente, ouais d'accord. Donc je suppose que c'est par là. Oh la vache, mais comment... Salle d'attente, système... Ok, je sais. C'est là qu'il faut que j'aille foutre le bordel avec le terminal, là. Que je coupe la lumière ou je sais pas quoi dans ce truc là. Donc c'est le... c'était où? C'est là. Donc c'est... salle d'attente. Gare de transit. Ça, ça crée un haut-parleur là-bas. Pas trop sûr d'avoir compris précisément ce que ça provoque. Il y avait l'air d'avoir un haut-parleur qui va se déclencher là et qui va les attirer. Et moi, il suffirait que je me planque dans un casier et les laisser passer. Eh putain ! Ok, d'accord, donc ça fonctionne. Un casier. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez remplir un formulaire à votre niveau. Il y a des mots de passe ? Mais Kika ? Reparti. Faire.
Mais oui, ok, mais ils sont repartis. Ok. Je crois que je sais comment faire alors. Donc il faut que j'active le truc. Mais il a mis mon doigt, il a cliqué. Merci Romain pour les 5 subs. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Système de haut-parleur. Tac, c'est parti. Allez. Et là, je vais dans le placard. Ça l'a fait ? Allô ? Summon the Elector Counts. Merci. Merci MV pour le Prime. Et bienvenue. Ça n'a pas marché. Ils me rendent fou. Eh ouais, ils sont de nouveau en place. Donc alors. Pourtant, je l'avais activé le machin. En tout cas, ça marche. Ça leur provoque une réaction. Système instable. Système instable, c'est ça qui va les amener ici, non ? Le gameplay radéchant. Oh, faut pas attendre à ce point là quand même. Essayez avec Tab, mais j'ai pas arrêté d'appuyer sur Tab, ça fait rien Tab. Il fait que dalle Tab. Gare de transit, routage, je vois rien qui change. Tab, y'a rien qui change. Hein. Mais ça a fonctionné tout à l'heure en, avec ça, système haut-parleur. Allez, vas-y. Ah, peut-être que le système haut-parleur les ramène jusqu'à l'entrée. Ça. Si la porte s'ouvre. Mais non. Mais putain! Chercher, ils peuvent pas être bien loin. Et allez, barrez-vous. Mais non, mais sérieusement. Non, tu te fous de moi ? Donc je devais l'attaquer. Donc on peut attaquer les gens dans ce jeu. Donc non, on ne peut pas. Mais alors je fais quoi ?
Donc non, on ne peut pas. Mais c'est bien ce qui me semblait, ce jeu. C'est pas Assassin's Creed. Mais il y avait rien, il y avait que dalle en surbrillance, il y avait aucune touche qui s'affichait. Ou alors c'est parce que Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Ça s'est mal mis. Merci mamie pour la glace. Merci pour les deux mois. Donc c'était quoi? C'était le haut-parleur. Bon, il suffit de se planquer là et d'attendre 800 ans. Il va arriver. Allez. Il est là. Les 800 ans sont passés. Vérifiez dans les recoins. Ouais, mais putain, mais clic droit, mais oui, mais d'accord. Et casse-toi. Quoi? Une touche, arrêtez de respirer fort, mais c'est quoi la suite? Une touche pour ne pas se chier dessus. Très bien. Il va vous repérer à l'odeur. Une odeur de caca qui émane d'un casier, c'est rarement quelque chose qui n'est pas suspect. Bon d'accord. Tout à l'heure il l'a pas fait, c'est ça qui m'a surpris. Vite. OK. On va vous trouver. On perd notre temps. Ah bah d'accord. Bon mais faut recommencer quoi. Jusqu'à ce que ça marche. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez remplir un formulaire à votre disposition. Allez. Je suis allé de l'autre côté, mais je suis un boulet. Je me déteste. OK. Seul. Oui. Non, reviens là. C'est quoi la touche pour te taper?
la... C'est quoi la touche pour la taper? Mais ça... Ah! Clic gauche, d'accord. Scoop! J'avais su. Mais attendez. Il est où mon inventaire là? Non, range-le ton machin. Allez. Comment je le range? Clic droit, ça marche pas. Clic gauche. Ah non, ouais, d'accord. Mais range-le, bordel! J'en ai rien à battre! Bon, bah, je sais pas. Je peux pas traîner le corps? Dessus, mais après il s'en branle. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu l'idée? Regardez, il y a un truc rouge qui fume au milieu du bordel. Ça vous tracasse pas, ça? Donc là, je dois juste passer sur la droite en plus. Il y va! Je suis un génie! Je t'en supplie. Mais putain, je le déteste. Bon, peut-être qu'il faut que je bouge. Transit vers le terminal spatial, transit vers la tour. Ah, faut que j'aille explorer ces trucs-là. Tour 6 mètres de Sébastopol, terminal spatial, plateforme des machines, tour d'habitation. C'est ça que je dois faire, en fait. C'est quoi, ça? Tour d'habitation. Allez, allons faire un œil, allons jeter un œil là-bas. Mais oui, c'est ça en fait, je dois trouver une cellule de découpage de mes fesses machin. En fait, je suis à un espèce de hub central duquel je dois aller explorer différentes zones et puis revenir là quand j'ai tout ce qu'il faut et passer. Bon, ça vient là. Ah.
Pourquoi il fait ce bruit? La galerie marchande Solomons, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. Et attends, ça va où du coup? Ah non, il a l'air de me dire que je dois repartir. Ah bon? Merci Romain pour les 500 bits. Donc oui, clairement, je dois repartir là. Oh, c'est long à faire venir. Pensez aux autres voyageurs. Emportez vos déchets avec vous. Navette à destination de la tour Sistek Lorraine. Utiliser ouais. Ou alors il y a un truc que j'ai pas vu dans la zone. Bon, en tout cas, il me manque un truc, hein, clairement. Ou alors je dois tous les dessouder. On peut tenter ça. Oui. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Veuillez ne pas laisser vos bagages ou votre équipement sans surveillance. Je gueule dans les oreilles. Bon, alors on va réessayer avec ça. Ah, moins que le fameux truc que je veux y trouver est sur le point d'exclamation au milieu, en fait. Mais du coup, faut bien que j'élimine les autres couillons, quoi. Si je veux pouvoir passer. À chaque fois que j'en élimine un, je sauvegarde maintenant. Allez, viens. J'arrive pas à croire qu'on soit encore en train de faire ça. Pas le même qui vient. Qui est pour qu'on finisse les recherches? Ça fait des lustres qu'ils sont partis. Tu ne te barres pas? Et si je lui saute dessus? Tu! Je saloperie! C'est bon. Eh ben le flingue, ramasse le flingue! Mais ramasse-le, mais je peux pas. J'y arrive pas.
J'y arrive pas, à chaque fois je tape dedans. Et j'essaie de l'attraper, et j'y arrive pas. À chaque fois il s'en va. On va passer au suivant. Merde, j'aurais dû sauvegarder. Encore quelqu'un. Oui. Allez, viens. Allô? Par ici, ils ont tué quelqu'un. Oh mon Dieu. Qui a tué quelqu'un? Vite. Mais c'est un scandale. Un chef. La porte qui se referme! Mais putain! Ah, elle me rend fou! Bon, là, je vais sauvegarder. Là, je sauvegarde. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez alors remplir un formulaire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh le piège. Le piège à crustacés quoi. Le truc, tu prends ta nasse, tu la tapes dans la flotte et t'attends. Hop là, petite clé à molette. Prochain qui arrive, je sors en hurlant. Y'a un alien qui les a tués. Ils sont là, combien? Ils ont tué quelqu'un. Oui, c'est un alien. Et approche-toi pour voir. Il est où? Ils sont ici. Oui, c'est pas bon. Par ici. C'est toi qui est pas bon. Tiens. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? J'en ai entendu un. Ah merde, je peux pas sauvegarder. Une fois que j'aurai éradiqué la totalité des survivants, on pourra Non. Non, c'est de la triche. Ça marchait jusqu'ici. Oh, c'est de la triche. Ne me suis pas. Mais putain. Non. Je pouvais pas sauvegarder. Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations. Veuillez reporter immédiatement tout dispositif. Quand j'ai sauvé, on en était où? À un cadavre? Ou à deux? Non, à deux. Deux. Bon, allons voir si ça passe en vrai.
Donc il faut que j'aille au centre. Au centre, légèrement sur la gauche, faut que j'aille voir. Putain, mais si c'est pas vrai quoi. Ah non, il y en a deux là. Ouais, non, c'est bon, allez, on va aller ressortir la nasse. On va aller ressortir le piège à le piège à écrevisse. Allez hop. On n'est pas seul. Où est-ce que je vois mon inventaire pour de vrai en fait? Parce que tout ça c'est pas mon inventaire. Il y a une touche pour la I. Non. Mais tout ce que j'ai récupéré en fait, attends, crafté. Non. J'aime beaucoup autodéfense quand il les tue froidement, j'avoue. Ah, parfait. Il en reste plus qu'un à fumer et puis c'est bon. Eh ben, qu'est-ce que je fous, moi ? J'ai oublié le piège à écrevisse. Il y a pas ? Allô ? Ok, bon alors j'essaye. Le dernier. Après ça, on sera tranquille. Il y a voir par là. Il y a insouciant et vis-à-vis. Tiens! C'était le dernier. Ah, ça mène où ça? Attends. Il y a un truc là aussi. Ça c'est quoi? Ah, un autre boîtier de reroutage. Et ça donne quoi? Un autre piège à écrevisse. Ah.
Ok. Bon ben bon à savoir. Mais je crois qu'il y a plus grand monde pour donner l'alerte. Donc du coup je suis tranquille en fait. Pistolet, seringue, Kaamelott. Ça c'est vide. Alors a priori. Écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Va chercher Claire, prends le chat et rentre à la maison. Il faut qu'on trouve un endroit sûr jusqu'à ce que Sixon envoie un vaisseau. J'ai aperçu le type du hall, je me souviens plus de son nom. Celui qui a une casquette de baseball sale et une odeur bizarre. Il avait quelque chose dans son manteau, je crois que c'était un flingue. Il m'a complètement ignoré. Ne parle à personne, ne dis pas où tu vas. Je te rejoindrai dès que possible. Ok. Donc. Torche à plasma, ça j'ai pas. C'est un truc que j'ai pas vu ou pas looté ou... Ici il n'y avait rien. Donc faut que j'aille voir à l'étage dans les conduits. Ah oui, la carte n'est pas la même quand je suis à l'étage. Ah! Oui! C'est quoi? C'est où? Hein? Ah non, 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 c'est le panneau de contrôle! D'accord, c'est le panneau de contrôle. Oui, mais n'empêche qu'il y a ça. C'est quoi ça? Encore un routage. Donc là, ça se marque? Ouais, voilà, d'accord, c'est ce logo-là. Ok, c'est par ici. C'était juste pas indiqué que c'était à l'étage, mais d'accord. Oui, on progresse, incroyable. Et il n'y a plus d'ennemis humains. C'est ça la bonne nouvelle. Les aliens n'ont qu'à bouffer. Je leur ai servi un petit buffet là, ils ont qu'à se faire plaisir. Quelque part. Et c'est quoi qu'on cherche? Cellule de données. On peut sauvegarder. Puissance faible. Il faut rétablir le courant ici.
Summon the Elector Count. Ok. Ça sera plus facile pour éliminer la vermine qui traîne. Merci. Mayulik, merci pour le Prime. Bienvenue. Mais alors par contre, comment je reprends la clé ? Ah bah voilà. Le jeu, si je vous préviens, le jeu à chaque fois qu'il va m'envoyer des bruits alors que je serai à moins de 10 mètres d'un casier, je finirai dedans. Hein. Mais pourquoi je peux pas monter ? Carte d'accès requise. Ah, une carte magnétique. Ce serait ça ? Oui. Contrôle d'urgence. La musique. Oh, bon sang. Un casier. Un casier. Ok. Cellule de données, c'est toujours pas trouvé. Un schéma de... Ah d'accord, je peux crafter des bombes fumigènes maintenant. Très bien. Attends, est-ce que j'ai tout... Non, elle doit être là quelque part, la cellule. Summon the Elector Counts. Merci Rasta Rocket pour les 8 mois. Ah ah ah. Non, fumigène. Summon the Elector Counts. Et merci Zouzi pour le Prime. Vérifier, ouais. Pile de la lampe, torche. Ah, inventaire plein. Y a rien là, non. Bon sang. La boîte noire. La boîte noire du Nostromo ? Quoi ? Quoi ? Non ! Putain, merde ! Ah ! Les joies de Windows 10. Ok. Et voilà. De sécurité.
Et quoi si je décale tout comme ça? Y'a rien à prendre, hein. Ah! Cellule de données! Trop bien! Pirater l'ascenseur vers Sixon Communication. Ah oui madame, mais faut d'abord que je sorte d'ici. Bon, qu'est-ce que ah le synthoniseur, ok d'accord. Synthoniser les accès avec la souris, utiliser les touches de déplacement et espace pour rentrer le code qui apparaît. Oh putain! Attends, ça, espace. Ah ça, et l'espèce de V. C'est bon. Là maintenant, faut que je reparte. Pirater l'ascenseur. Bah oui, c'est bon, je peux passer maintenant. C'est... En fait, je dois revenir à la grande salle. Alors, la sauvegarde, elle est où? Elle est juste à côté. Juste ici. Oh. Yes. Sécurité qui se met à gueuler. Désactiver le verrou de sécurité. C'est par là, hein. Hey. Des piles, j'en ai plein des piles. Ok. Et donc là, j'arrive. Ouais, d'accord. C'est bon. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vrai qu'après tout... Voilà. Et du coup je peux... Ah ouais voilà. Donc j'ai grenade aveuglante, bombe fumigène. C'est quoi la différence entre fumigène et bombe fumigène? Alors ça... Ça... Merde mais putain! Où est-ce qu'on recommence? Ah. Il n'est pas clair le premier, c'est celui-là. Après là et là. J'avais pas appuyé sur la touche en bas, j'ai appuyé sur espace trop vite tout à l'heure.
Ok, tout ça c'est du lore en fait, je pense. Munition de revolver, ok. Doit être ici quelque part, non, pour le couper. Là, voilà l'ascenseur. Attends, il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation. Ah. Bah. Ça marche pas ça. Ah voilà. Petite. Oh non. Oh non non. Sous la table. Dans une armoire. Pas un autre point d'exclamation. Il y a un truc pour sauvegarder là-bas. De toute façon, faut que je fasse demi-tour, faut que je retourne de l'autre côté. Non, non, ah, attends, ça suffit la musique. Stop. C'est par là. Je l'entendrai de toute façon. Quand il se déplace, il fait du bruit quand même. Je trouve un point de sauvegarde. Vite.
Alors. Ah, et ça. Mais c'est pas possible. Pourquoi la musique elle pète les plombs comme ça? De quoi sauvegarder par pitié? Je suppose qu'il est quelque part là-dedans maintenant. Non. Ah ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Mais... Là ! Là ! Attends, qu'est-ce que c'est ? Dépêche-toi. Ferme-la. Ferme la porte. Ah. Ah. Enregistré à la réception. Oh, mon avion. Oui, mais c'est un copain, lui. Merci, Gunther, pour les 200 bits. Je suppose que c'est pas un pote. Mais j'ai un flingue, maintenant. C'est un androïde ? C'est un androïde ? Pour votre confort et par souci de sécurité, me synthétique lambda. Mon nom est Ripley, Amanda Ripley. J'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Humanoïde avancé. Les lambdas de Sixon sont facilement reconnaissables. Vous saurez donc toujours à qui vous vous adressez. Ne vous préoccupez de rien. Sixon vous fait cette promesse. Votre confort est notre priorité. Eh, super. Qu'est-ce que je dois faire? Aller à la salle de contrôle des coms. À la salle de contrôle des coms. Ok. Faut qu'on aille voir les commentaires YouTube. Ah, c'est un mec ça. Un vrai. De chair et d'os. Mais ils sont gentils. Mais non, c'est... Ah non, c'est tous des androïdes. Ah oui. Puis-je vous aider ? Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe ? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Je vous le déconseille. D'accord.
voudrais un petit point de sauvegarde, s'il vous plaît. C'est une sorte de détecteur. Oh, le détecteur, le fameux El Famoso. Oui, super. Êtes-vous perdu? Oh, sale bête. Non, aucun problème. Ah non, c'est le... Ok. Reroutage. En fait, medkit, je devrais peut-être en utiliser. Bon, ok. Ah, il manque de l'agent collant. Ok. Et donc maintenant. Non mais c'est là en fait. Forcer le mécanisme de la porte. Ah, ce n'est donc pas que du lore ce truc. C'est aussi utile. Un casier. Super. J'ai pas loupé un truc de sauvegarde. Non, il n'y en a pas ici. Oh. Ça a des piles aussi, cette merde. Oh oui. Non, ça a pas de piles. Je peux l'utiliser tout le temps alors. D'accord. Ah bah c'est rassurant au moins d'avoir ce... Mais au moins je suis au courant quand il y a un truc qui... Mais ça, les androïdes, c'est valable. Ah, ça floute ma vision. Oh. Qu'est-ce que c'est? Douche. Les points situés au bord de l'écran du détecteur de mouvement indiquent votre objectif. Donc l'espèce de rectangle qui bouge, c'est mon objectif. Ouais, jusque là ça paraîtrait assez logique. Ah, il bip de toute façon. Charge, c'est quoi, c'est des piles? Hein? Il a disparu! Ouais. Pirater E. Oh!
Yes. C'est le système de ventilation. Quelle saloperie. Ah, c'est ce que je voulais. Laissez-moi passer. C'est moi, Hughes. Vous ne me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons. Trouvons une solution amiable. Hey, les trois lois de la robotique. On connaît pas chez toi? Oh putain. Les trois lois de la robotique ont une nouvelle version. Si un humain refuse catégoriquement de se montrer docile, fracasse-lui le crâne. What? Attends, obtenir l'accès. Éviter la détection. Ah oui, parce que ça y est, maintenant les androïdes veulent ma peau. Ah merde. Ça qu'il me faut. Apollo, il est dans ça. Travaille en main dans la main pour assurer la sécurité de la production et représentant commerciaux. Voilà ce que va se passer. Quelque chose ne va pas. Vous ne devriez pas être ici. Ah putain, il est pas du tout. Sortez, montrez-vous. Juste, il y a personne. Ah. Montrez-vous, je vous prie. Oh là là. Salut Dave, merci pour le raid. Je suis bienvenue à tous. Je vais pas lui mettre un grand coup de clé à molette derrière la tête lui aussi. Ça va pas marcher là. Mais sérieux. Dégage. Je dois vous parler, parti. Quelle sans gêne.
Donc c'est là bêtement. Oui. Ah oui, maintenant que j'ai désactivé la caméra. Je savais absolument pas que qu'il y avait autant de trucs qu'il fallait éviter en fait dans ce jeu. Je pensais qu'on était tout le temps poursuivi par l'alien, mais en fait pas du tout. Là, ils sont amusés les devs là. Encore des androïdes. Bon, ok. Écoutez. Ça fait 3 heures qu'on est dessus, je pense. Qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je m'enferme dans mon petit casier, je vais me rouler en boule dans un coin et on va faire un gros dodo. Et on reprendra la prochaine fois. Allez, des bisous YouTube, je vais essayer de laisser mon rythme cardiaque reprendre un rythme normal et on se retrouve la prochaine fois. Bisous.